Hi Leute, Dan Zagadir ist zurück. Ah ouais, c'est vrai que 3 mois c'est long. J'ai passé 3 longs mois pendant ma rééducation. J'ai fait une partie de ma rééducation à Paris. Donc je crois que c'était en septembre, je suis rentré à Paris pour faire mes soins, tout ça. Après je suis revenu ici et ça a été très très long. J'ai beaucoup travaillé sur tout ce qui est renforcement musculaire, etc. parce qu'il fallait que je sois vraiment stable au niveau de mon genou. Et donc aujourd'hui je continue de renforcer, mais ça va beaucoup mieux. Ouais, c'est vrai que ces derniers temps, on n'a pas eu de chance au niveau de la défense parce qu'on a eu beaucoup de blessés. C'est vrai que j'aurais pu, si j'étais là et si j'avais été fit, bien sûr, j'aurais pu jouer. Mais ouais, c'est toujours difficile d'être blessé et de voir qu'il y a la place et de ne pas pouvoir aider l'équipe. Mais bon, je sais que ça viendra. Même si tout le monde est fit, je sais qu'à un moment ou à un autre, ça viendra. Je pense que peut-être c'est au niveau de la mentalité, il y a peut-être eu un changement de mentalité. J'ai regardé les matchs et je trouve que l'équipe défend plus ensemble. C'est plus une équipe qui défend et non seulement une ligne de 4 ou bien une ligne de 3. Donc je pense que ça aide beaucoup l'équipe et on peut voir par les résultats qu'on prend moins de buts. Alors franchement, ça m'a manqué. Hein. Et encore là, j'ai repris l'entraînement, mais c'est avec une... On a un petit groupe parce qu'il y en a qui sont en sélection nationale. Mais j'ai hâte qu'ils reviennent, qu'on soit le groupe vraiment élargi et que je puisse retrouver voilà, tous mes coéquipiers et pouvoir jouer avec eux. Bah, moi, c'est simple. Là, pour l'instant, je pense que je ne suis pas encore à 100%. J'ai repris les entraînements, mais pas entièrement. Donc, je reprends qu'une seule partie de l'entraînement et après, je travaille en individuel. Donc déjà pour moi, ce qui va être important, c'est de revenir à 100%, d'être bien, d'être sûr de mon genou, de ne plus avoir de problème. Et après ça, bien sûr, j'ai hâte de jouer, j'ai hâte d'aider l'équipe et j'espère que ça arrivera le plus tôt possible. Ouais, si je me projette dans l'avenir et que, comme tu as dit, on en met, la saison est finie, bah, j'espère que j'aurai beaucoup joué cette saison, que l'équipe aura eu de bons résultats. Avoir gagné un trophée, ce serait pas mal, un trophée ou deux, voire même les trois, ce serait pas mal. Et ouais, je pense que si on arrive à faire tout ça, je dirais qu'on a passé une super saison. Thank you. Thank you, thanks. Thanks.